semaine dernière, une bombe artisanale a explosé devant l'ambassade des États-Unis à La Paz, en Bolivie. Deux marines ont été blessés. Deux jours plus tard, un agent de terrain de la CIA nous a transmis les images suivantes. Nos analystes ont identifié l'individu sur ces photos comme étant Ricardo Sandoval, alias Ricky, agent spécial des STUP, et mon ami. Sandoval a passé, avec la CIA, ces 6 dernières années, à infiltrer la filière cocaïne locale. D'après les éléments dont nous disposons, Sandoval était la cible de l'explosion. Voyant que la bombe n'avait pas suffi, les auteurs ont dû finir le travail. Ils l'ont capturé, torturé et tué avant d'abandonner son cadavre. Nous ne l'avons pas encore récupéré. Notre cible, le groupe derrière l'explosion de l'ambassade et la mort de l'agent spécial Sandoval, est l'organisation de narcotrafic appelée Cartel de la Santa Blanca. Les simples trafiquants d'hier sont devenus des narco-terroristes. À la base, le gouvernement bolivien résistait au cartel mexicain, d'où la création d'une unité spéciale, l'Unidad, pour Sierra. Des milliers de cadavres plus tard, politiciens, agents de police et journalistes sont des espèces en voie de disparition. D'accord. Le gouvernement bolivien a implosé. Parce qu'il n'avait pas le choix, le président a passé un marché avec la Santa Blanca. Arrêtez de nous tuer et enfermez-nous. Depuis, la Santa Blanca a fait de la Bolivie la nouvelle plaque tournante de la drogue grâce à leurs amis mexicains qui leur ouvrent une voie royale vers les États-Unis. Oh, c'est... Ah oui, c'est propre comme... Le seul moyen d'arrêter la Santa Blanca, c'est de la démanteler totalement, morceau par morceau. D'accord. Le cartel se divise en 4 filières. Production, trafic, sécurité et influence. Tout en haut, il y a El Refe de Refes. Le big boss des big boss. El Sueño. El Refe de Refes. Bon, ok. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de et cette nouvelle série sur donc la bêta de Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Hop, on a des options, je vais pouvoir aller voir ça rapidement. Audio déjà. Hop, 50, ici bruitage monte à 75. Volume des voix, c'est parfait. Type de sortie, on est bon. Sensibilité micro ouvert. Non, push to talk. Non, je peux pas... Ah oui, ça doit être là. Désactiver, appuyer pour parler. Voilà, push to talk, on va mettre désactiver pour le moment. On applique. On voit que ça sauvegarde en bas. Je regarde juste un truc au niveau du son, chers amis. J'aimerais bien avoir le son du jeu qui ressort. Parce que je sais que ça doit être un petit peu faible. Je vais le remonter à fond, c'est pas grave, on verra. Vous me direz dans les coms ce que ça vaut. Donc on est sur la bêta de ce jeu, chers amis, j'ai réussi à avoir l'accès. On va aller voir les paramètres graphiques. Bah, c'est bon. Ah d'accord, ok. Très élevé, je peux pas monter plus haut. Ok. Ça c'est cool, vous voyez, là pardon, vous voyez, je peux mettre rayon solaire, oui, amélioré. Hop, parfait. Et là je suis à fond, je fais appliquer. Utilisation de la VRAM, aucune. Aucune différence. Ok. Vidéo. Ah oui, c'est un écran ACR que j'ai. Je savais pas. Adaptation de la résolution, on va laisser en 1 pour le moment. Champ de vision agrandi, luminosité, définition des contours. Apparemment, j'ai pas de. N'ayant pas de commande de trucs, je vais préférer attendre un petit peu. Ok, bah on est bon, chers amis. J'aimerais juste, en termes. Je crois que ça doit être dans l'interface. La taille de l'interface, non des copies affichage de l'XP. Non, pas vraiment intéressant. Je veux vraiment que vous ayez quelque chose d'épique à regarder. J'aimerais juste me trouver, ce serait, chers amis, ce serait cool de trouver les sous-titres, voilà. Parfait, sous-titres. Ok, appliqué, on est bon. Bah écoutez, nouvelle campagne, on y va, chers amis. On rentre dans cette bêta. Déplacez-vous d'obstacle en obstacle pour rester à couvert, bien sûr, ça c'est la classique. Donc c'est un jeu dont on m'a offert la bêta via gamesplanet.com. Donc moi je vous invite à aller sur le site, il y a une version du jeu qui est vraiment à bas prix. Il y a 3 versions du jeu, la version ultra deluxe, la version gold et la version classique. Respectivement le 37, 49 et 69 euros chacune sur PC. Donc voilà, donc création d'un personnage, donc c'est quoi? On est dans un TPS, donc un third person shooter, dans un monde ouvert gigantesque, représentant la Bolivie. Nous créons notre ghost, notre personnage,
dans lequel, avec lequel nous allons évoluer dans une équipe. Vous allez pouvoir le voir tout à l'heure. Hein. Hop, on va aller faire la tête, tout ça. Crac, on peut tourner, d'accord. Un visage. Donc Murphy, Rock, non, non. Eagle, c'est quoi? Non, non. Murphy, non, non. Où est-ce que je suis, moi? Ce qu'ils m'ont pris pour faire le visage. C'est pas si mal, ça, finalement. Hop. Ok. Couleur des yeux. Marron. Marron clair. T'es sûr avec ton marron clair, là? Je peux pas zoomer. Quel dommage. T'es sûr avec ton marron clair, là? Ok, je veux bien te faire confiance. Ok. Pilosité, bûcheron. Sans. Bûcheron, non. Barbe sérieuse. Bouc. Routier. Chevron. Quand je mets 100, il me met juste... D'accord, ok. Barbe sérieuse. Hop. Coupe militaire. Alors, coupe militaire à queue de cheval, nanana. Alors, vu que je vais potentiellement me faire ça très bientôt, je vais mettre ça. Couleur de cheveux. Alors, je voudrais éviter que ce soit roux. Brun. Ah, c'est dommage, je suis un peu dégoûté du peu de détails sur les couleurs. J'aurais même être rouge. Mais bon, on est encore que dans une bêta, hein. C'est pas dit qu'on ait absolument tout. Coupure de rasoir, non. En taille profonde, éliminer Elway pour débloquer. Alors oui, on pourra apparemment continuer à débloquer les... comment les... des choses au fur et à mesure. Ok, bon bah 100 pour le moment. Donc ça c'est cool. Ok. Apparence. Détail du corps. Peinture faciale, aucune. Tatouage bras droit, ça dépend du tatouage. Moi j'aime bien les tatouages colorés. Non, j'ai pas grand chose. Crac. Ok. Sachant que non, en fait, moi j'ai peut-être plutôt en mettre un sur le bras gauche. Ah ben il y en a des différents en plus. Hop. Crâne spectral. Ça pourrait être ça. On va mettre le drapeau américain parce que America fuck yeah. Voilà. Même ça ne se voit pas. Hop, en haut. Suite à capuche. Il y en a quoi d'autre? Donc je vais faire des épisodes. Donc 3. Donc ça, la bêta se tient du 3 au 6, chers amis. Donc aujourd'hui au 6. Accéder à Ubisoft Club. Mais j'ai Ubisoft Club normalement. Bon, apparemment, ça doit peut-être pas être encore débloqué tout ça, chers amis. Hein. C'est pas grave. Hop, alors, t-shirt. Non, non. Ah, il y a des couleurs en bas, regardez. Non. Ok. Crac. Bon, ça va pas trop avec ce que je voulais. Sinon, je suis de capuche. Il est cool. Ah. Alors, je rappelle que c'est une bêta. Hein. Par conséquent, on peut s'attendre à quelques bugs. Vous voyez là, le jeu charge indéfiniment, bizarrement. Ça m'embête un petit peu. Ok. Vêtements. Suite à capuche. Noir. Est-ce que je peux la voir? Ellipse. Re, chers amis. Donc on est bon. On est bon, on est bon. Par contre, là, du coup, il m'a mis un personnage spécial avec plein de trucs. Harnais. D'accord. D'accord. Gilet tactique. Gilet tactique, IBA, ça correspond à quoi IBA? D'accord, c'est avec le... D'accord, IBA lourd. Moi, je serais plus partant pour... pour ceci...
Après, tout est relatif, hein, si je puis dire. Crac. Ok, pourquoi pas. Retour. Pantalon. Vache. Tactique. Il y avait un jean il y a 2 secondes. Ok. Chaussures. On va mettre des bottes de combat. Ghillie suits. D'accord, oui, ça c'est les. D'accord, les tenues de camo. Ok, donc pour l'instant pas. Vu qu'on n'a pas encore été dedans. Pour l'instant pas. Accessoires. Les yeux, lunettes balistiques. Pour l'instant on va mettre 100. Cagoule sans trou. Pour l'instant non. Casque balistique, non. Micro casque. On a un micro. Alors, on a... Alors j'aimerais. Alors. Bon, j'imagine que c'est des trucs qui se débloquent avec les points, vous savez, Ubisoft. Je vais mettre ça pour l'instant. D'ailleurs, on va enlever la capuche si possible du vêtement. Crac. On va mettre un débardeur pour le moment, c'est pas grave. Hop. Accessoires. Yeux. Donc. Donc on peut voir les écouteurs qui apparaissent par derrière. Donc ça me plaît. Oh. Bon, pour l'instant tout ça on en a pas besoin. En plus c'est même pas mon style de lunettes habituel. Visage. Cagoule. Cagoule. Bandana. Bandana crâne. Donc il est joli. Écharpe. Masque balistique. Non. Demi-masque. Non. Oui. Ok. Au niveau des yeux, j'ai rien ajouté. Chapeau, casque, 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 casquette nomade. D'accord. Ah, le béret. Le béret a tout fait bugger. Merde, le béret a tout fait bugger. Ah, c'est chiant. Faut que je relance tout le jeu à chaque fois. Bah non, 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 le jeu est bugué là, c'est bon. Ah, c'est casse-couille. Ok, re, chers amis, j'ai fait une caution de personnage, voilà à quoi il ressemble. Je pense qu'il est assez stylé, je l'ai mis en noir, je sais pas si c'est une bonne idée. On verra bien, vous ne pourrez plus changer de votre sexe et votre trait après cette étape. Ah bon? Bon bah écoute, fais péter. On va jouer en... On va jouer en élite, j'ai pas envie de le jouer en trop facile, chers amis, j'ai envie de vraiment de privilégier la vraie infiltration. Je vais pas envie de le jouer en ghost, hein, mais je pense qu'on le jouera toujours en élite, on verra bien, de toute façon, cette bêta va nous permettre de tester un petit peu tout ce qui est en rapport avec la difficulté. Donc on est de retour, j'ai à peu près encore une demi-heure de contenu à vous proposer. J'espère qu'il y aura pas trop de cinématiques. Je suis désolé pour l'attente, hein. De toute façon, vous aurez là tous les jours une vidéo, une quatrième vidéo sur ce jeu. Une quatrième vidéo qui potentiellement sera d'une heure, une heure et demie, si c'est à part celle-là, quoi. L'agent qui est mort. Vous étiez proche ? C'était un ami à moi. D'accord. Je sais que c'est les risques du métier, mais c'est quand même dur à encaisser. Ouais, ça c'est clair. Alors, c'est rigolo, parce que j'ai l'impression que le... Je me fais passer pour Karen Bowman, travailleuse humanitaire depuis à peu près 5 ans. C'est un peu galère, mais je peux aller où je veux, sans trop me faire emmerder. Au moins, on te fournit l'hélico. Vous êtes venu comment ? Je suis venu en business class de Manaus. Hey, celui-là, c'est tout ce qui compte, non ? J'ai fait du stop depuis Barranco, au Pérou. Et toi, Alt ? Monté dans un bus à Jujuy, en Argentine. Jujuy ? Tout le long jusqu'à Villazone. Enfin, c'est joli quand même. D'un poivreau dans un bus. Ça explique pourquoi tu pues de la gueule. Hé, hey, bim. J'ai entendu parler de vous quatre. Je venais d'être nommé officier à Moscou lors du coup d'état. En haut lieu, on parlait de vous. Non, tu dois sûrement confondre. Moscou, je connais pas. En tout cas, c'est pas tous les jours qu'on rencontre une vraie légende urbaine.
Ouais, bah va dire ça à mon fils. Là, peut-être qu'il m'écouterait quand je lui demande de sortir les poubelles. C'est dur d'être quelqu'un qui a aucune existence officielle. À toi de me le dire, Karen Bowman, la travailleuse humanitaire. Il a raison. Il a entièrement raison. Et je parie que vous avez vu de quoi les humains peuvent être capables quand ils n'ont pas à assumer les conséquences de leurs actes. Mais laissez-moi vous dire une chose. Malgré tout ce que vous avez vécu, tout ce qui vous a endurci, rien ne peut vous préparer à être soigné. Soigno. Le petit symbole au-dessus du N, c'est un nio. Un nié. Nié. El Sueño. C'est une sorte de pseudo-mystique, du genre qu'on aurait mieux fait d'interner. Il d'accord. Il a de pauvreté et de chasteté. Si son kiff, c'est ni la chatte ni la thune, il reste que le pouvoir. La mission est suivie par la CIA, les stupes et l'Interarme. Serait votre officier de liaison. D'accord. Il est dans l'opération Kingslayer. Kingslayer. Donc le... comment le... le... ouais, les Katarivan... le... merde. De rebelles qui s'opposent à l'Unidad et à la... le régicide. On va voir leur chef, Pac Katari, une fois au sol. Les Boliviens portent pas les Yankees dans leur cœur, mais cette fois, j'espère que l'ennemi de mon ennemi sera mon ami. D'accord, bah est-ce qu'on pourrait se poser ? Je m'y risquerai pas. Donc le jeu, normalement, visuellement, va claquer sa mère, hein. Comme vous pouvez à mon avis d'ores et déjà le voir. Et on y est. On y est. Putain d'ambiance. Alors moi j'ai hâte de pouvoir y toucher sur la version complète, mais là je suis très heureux d'avoir accès à la bêta. Donc comme je l'ai dit, 37€ sur une version de base sur Gamesplay.com, 47,99€ et 69,99€ pour la version deluxe. Vous parliez, dont Sandoval parlait. Je vous conseille, hein. Franchement, je vous le conseille. Et vous envoyez une poignée de soldats. Des centaines de Boliviens sont morts sous les balles du cartel. J'attends toujours mes centaines de soldats. En fait, on n'est pas des centaines, on n'est que 4. Ces soldats sont l'élite des forces spéciales de notre pays tout entier. Avec ouais. Eux, vous n'avez besoin de personne d'autre. Dites-moi, connaissez-vous le terme Ibris, Señora Bowman? Voici Pac Katari, chef du groupe de résistants Katari 26. On va unir nos efforts pour couper toutes les têtes de la Santa Blanca. D'accord. Ils affrontent la Santa Blanca et les hommes d'État corrompus depuis près de 6 ans déjà. D'accord, on est vraiment en retard. Non, il y a plus urgent. On nous a indiqué où Amaru est détenu. Amaru? Tu l'as trouvé? Amaru est l'un des fondateurs de Katari 26. Plus que ça, tout notre groupe est fondé sur ses idées. D'accord. Sans ses théories sur l'essor du prolétariat agraire, notre résistance organisée contre la Santa Blanca et la corruption n'aurait pas vu le jour. Amaru doit survivre. Si vous veniez en aide à mes hommes, je serais plus enclin à vous faire confiance. Où il est? Dis-moi tout. Exactement. Juste qu'il est dans la province et qu'un lieutenant de la Santa Blanca peut nous dire où il se situe. Ok, pour moi ça me suffit. Je vais contacter mes hommes de l'ISA, voir s'ils arrivent à capter quelque chose d'intéressant. Partez chercher ce lieutenant et informez-moi de la situation par téléphone. Bonne chasse. Merci. La vie d'Amaru est importante pour notre cause, Yankee. Fais attention de ne pas tuer le lieutenant du cartel avant d'avoir pu lui poser des questions. Compte sur moi. C'est parti. On y est, chers amis. On y est. Vous pouvez le voir en bas, c'est une bêta fermée. Et on est dedans. Waouh. Eh ben visuellement ça claque, c'est fluide. Mettez votre solde. Allez, au boulot. Information sur la mission. Amaru, l'oncle de Pac Katari, est considéré comme l'âme de la rébellion. Ses idéaux révolutionnaires sont les fondations de Katari 26. Le cartel a donc remporté une victoire majeure en le capturant. Trouvez Amaru et extrayez-le à tout prix. Ok. Comptez sur moi. Vous, ça me défrise un peu de collaborer avec Pac Katari et ses rebelles. Leur idéologie, c'est le genre à finir en bain de sang à tous les coups. Alors, j'ai pas envie de partir sur une coop publique. Cette OP, nomade. Franchement, tout ça, c'est qu'une vengeance. Faut qu'on boucle cette histoire vite et bien avant de se retrouver le cul coincé entre les magouilles politiques et les balles du cartel. Premier objectif, retrouver le lieutenant de la Santa Blanca pour remonter jusqu'à Amaru. Je vote pour. Attachez vos ceintures. Allez, on monte. En voiture, les filles. Donc voilà, on est avec une équipe de 4 personnes. 4 personnes qui vont complètement... Oh la vache. C'est tendu comme conduite finalement.
qui vont complètement gérer en combat. Oh la vache. Ça va vite. Elle va plus vite que ce que j'imaginais. Oh la vache. Il y a d'autres voitures. Tu permets? Priorité à droite. Priorité à droite. En tout cas, c'est une aventure très polie hein, qui se lance, chers amis. Comme vous pouvez l'entendre, il ne dit pas d'insulte. Il reste... Cassez-vous de mon chemin. Putain. Casse-toi. Ok. On est bon. Ça devait être une moto. Je crois qu'il y avait une moto qui était posée. Ok. On reste avec nos copines. Hein. Excuse-toi. Radio. C'est ici qu'on va, nous. Radio. Sortir, c'est eux, d'accord. Ok. On est parti. Vu que je connais absolument pas les mécaniques de jeu, j'espère que cette bêta va être intuitive. Et surtout bourrée de tutoriels. Repérer le lieutenant du cartel, c'est lui qui sait où se trouve Amaru. Ok. On a de la compagnie. Je suis en train de chercher la touche pour me baisser, pour me crouch, voilà. D'accord. On a de la compagnie. Est-ce qu'on a un drone ou n'importe quoi, je ne sais pas. Ça m'intéresse pas. Ok. J'ai différentes armes. MP5 silencieux. MP4 silencieux. La cible ne doit rien voir venir. Fixez vos silencieux. Voilà. Donc j'imagine qu'il est dessus. Il est dessus. Parfait. Où est-ce qu'il y a une cible aussi? C'est ça le truc. Espace pour de la reco. Prenez le temps de désigner les ennemis. Appuyez sur W pour utiliser le drone, appuyez sur B pour utiliser les jumelles. D'accord. Drone. Je déploie le drone. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. D'accord. Ah, c'est génial. Je m'éclate. Je m'éclate déjà, merde. Qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Ok. On a plus de batterie déjà. Ok, on a déjà plus de batterie, malheureusement. On a un temps de recharge. Ok, je capte. Allons-y. Putain, on est déjà là. D'accord. D'accord. B et A, c'est quoi ça? J'ai un P. Alors. Ça me semble pas très bon. P45T, on va faire là-dessus. Papa. En plein dedans. Hop, et de 1. Comment je me mets à couvert? 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 Didacticiel. Rocco. Ok. Infiltration. C pour approcher furtivement. D'accord. C pour crouch. D'accord, ok. Ok. Ça correspond plus ou moins à ce que je cherchais.
Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme didacticiel? Ça m'intéresse. F pour retirer fixel silencieux. Nanana, mission. Ok. D'accord, viser, appuyer sur A. Ok. Ça peut être intéressant ça. On y va. Je rejoins la position. Pareil à tirer. Je peux pas viser l'autre? Ennemi à terre. Bon, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Recharge. Apparemment ils nous ont vu. Cible abattue. Cible abattue. Je crois qu'on les a bien fait flipper. Ok. Merde, c'est eux. Nos voyons encontrar putos. Hijos de supplé. Alors, que plus de menacer personne. On a donné un coup de pied dans la fourmilière. Hop. Ennemi abattu. Okay. Bah alors Simone. Crac. Viens par là. Est-ce que je peux le. Vas-y, colle-le au mur qu'on rigole. Ok du con. Tu réponds à mes questions ou je te colle une balle dans les boyaux et je te laisse crever dans ta merde. Comprenez? Faut te calmer, putain. Amaro, je le trouve où? Sérieusement? Ok, c'est toi qui vois. Non, problème. Il est à Tolo Farm. Vas-y, tu verras toi-même ce qu'on fait aux ennemis du cartel. Oh, gens comme toi. Oh, quel dommage. Amaru est pas tout jeune. Il tient tech pas map. Longtemps sous la tour. Ok, faut qu'on aille jusque là. Pourquoi pas. Apparemment, il y a des choses ici. Un avant-poste, contrôle le trafic routier. Et ici, information annexe sur la Bolivie, les factions et les légendes. D'accord. Merde. Si ça se trouve, ça fait déjà un bout de temps qu'ils l'ont crevé. On n'en sait rien. Amaru, c'est pas n'importe qui chez les rebelles. Le cartel va vouloir le garder en vie tant qu'il peut pour lui arracher ce qu'il sait. Je veux pas tenter le diable. Y a beaucoup trop en jeu. On y va. Ok, là j'ai une caisse. Avec moult munitions. I pour équipement. Ok. Ah, je peux... ah, j'ai pas accès à tout forcément, oui, je me doute bien. Voir dans le gunsmith, il me faudrait un... Ah, ça, ça serait bon, ça. Waouh. Alors... On pourra améliorer tout ça, enfin modifier toutes ces armes, chers amis, et croyez-moi, j'en ai vraiment envie. Oh là là, je vais avoir une érection. Oh la vache, la quantité d'armes. Oh, faut pas que je regarde, sinon je vais être dégoûté de pas pouvoir les prendre. On fait le plein. Là, il y a quelque chose aussi. Baliser le matériel, on le balise. On déploie une balise. Les rebelles en verront. Allez, on décolle. Le cartel va pas attendre bien gentiment qu'on aille sauver Amaru. Ok. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. Ok. Je peux pas en cibler plus d'une? Ouais, c'est bon. Je commence à aligner ces fumiers. Ah merde, je suis mauvais. Voilà, hop. Enfin, en même temps, j'ai pas une lunette hyper méga précise de la mort qui tue. On est au calme. Ok, on descend. Alors, apparemment, ils sont adeptes du free run, hein. Voilà. Heureusement. J'ai pas de piquer ta bagnole. Excuse-moi. Par contre, j'ai piqué celle-là. Hop. Regarde, il y avait un truc à baliser.
Il y avait un truc à baliser, il y avait un truc à baliser. Attends deux secondes, je balise le truc. Il y a même plusieurs choses à baliser. Hop, vas-y, prends-moi ça. Colis de nourriture. Donc apparemment, il va y avoir plein de choses à faire, ça c'est cool. C'est très très cool. Matériel informatique, je présume. Transmission, ok, cool. Là, j'ai un truc. Donc ça, c'est un personnage. Et là, j'ai des infos. Oh, c'est joli. Le jeu est beau, le jeu est fluide. Et le jeu est à fond. Ok. Et c'est. D'accord. Ah bon, on l'écoute, c'est parfait. Point de compétence. Ça m'intéresse. Dispersion réduite, c'est quoi ça? D'accord. Drone, batterie, vision nocturne, portée. Matériel physique, endurance, même pas mal, d'accord. Escouade. Tir synchro plus 1, ça sera intéressant. Pour l'instant, je suis très content avec ce que j'ai. Peut-être que je vais prendre la batterie. Je pense. Alors, le problème, c'est qu'il faudrait que je sache comment je peux le faire. Ah, d'accord, il me faut. Ah, oui, d'accord, ok, regardez. Il y a les ressources justement là qu'on vient de récupérer. Et dépendant du niveau, en fait, on peut potentiellement faire un truc. Ok. Visée stable, on n'a pas de snipe. Par exemple. Ici, je peux faire une vision nocturne, mais ça m'intéresse pas pour le moment. Là, je n'ai pas pour ça. Ça non plus. Ça, je l'ai par contre. Ok. Peut-être falloir qu'on gère un peu mieux notre équipe, cela dit. On prend une bécane. Comment ça se passe pour eux? On se retrouve plus tard. D'accord. J'ai envie de changer de véhicule un petit peu, tester un petit peu tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la map est gigantesque. Hein. Comme vous pouvez le voir. C'est absolument gigantesque. Hop, on y va. Alors, je joue sur la manette, mais peut-être que je vais peut-être changer ça. Oh la vache, parce que là, la manette, le pilotage. Ah ouais. Ah, ça pardonne pas. Ah, le moindre accident. Oh putain, il y a des gens qui arrivent. Merci. Oh! Putain, c'était juste. La Lamborghini, quoi. Hop, d'accord. Donc, il faut pas que je rentre du tout dans une bagnole. Ou dans quoi? Oh, un cheval de Skyrim. Ok. Après tout, c'est une motocross. Peut-être faire un petit peu de cross. Hop. Ok. Alors, c'est vraiment pas simple à piloter, hein, soyons honnêtes. Je me suis gouré de route, apparemment. Effectivement, c'est la route qui descend. Excusez-moi, j'ai du mal à revenir sur la route. Merci. Alors, si le jeu est mieux avec une manette, je le ferai avec une manette. Ce qui semble apparemment le cas. Hein. Ça permet de savoir. Ah bah, j'ai du mal à revenir. Allez. Ok. Ok. Ils sont un peu loin, c'est pas grave, on va continuer un petit peu. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, chers amis. Hop. Aïe. Voilà. Voilà. Par contre, c'est difficile à piloter. Non, je pense que je vais revenir à la manette, chers amis, là. Je vais revenir à la manette dans le prochain épisode, je pense. Ouah. Je fais des zigzags. Zigzag. Oh, il y a plein de choses qui apparaissent. Oh, il y a un camion. Ah putain, c'est pas un camion, c'est un tracteur. Oh non, de Dieu. Non, je veux pas piloter un tracteur, merci. On y est. Ils ont un hélico sur place. Ok. On y va. J'ai deux sicarios sans visu.
Fais voir où ils sont. À côté de la grange. Allez là-bas. Mais non, mais non. Bien reçu. Restez là. Ah oh, oui, c'est vraiment... On resserre sur moi. On resserre sur moi, allez-y. Et vous ne bougez plus. Merci. Silencieux, oui, je peux l'enlever et mettre. Je sais, je suis au courant, merci. Donc on avait dit W pour le drone. Le drone a décollé. Sont très 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 nombreux. Ils sont très 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 nombreux. Oh là, on n'a plus de batterie. Bon, on rentre. Ok, ça nous fait un bon nombre d'ennemis. On arrive à Atolio Farm. Rappelez-vous, la plupart de ces sicarios sont des anciens de l'armée. Identifiez vos cibles. Si Amarus prend une balle, l'opération Kingslayer tombera à l'eau avant même d'avoir commencé. C'est parti. Ok. Regroupement. Bien compris. Ok. Restez là. Reçu. Ok, en douceur, les gens. Merde. Je n'ai pas vu. Il est assez loin des autres, ce qui est une bonne chose. C'est quoi qui m'a vu? C'est les cochons qui m'ont vu? What the fuck, c'est quoi ce bordel? Allons-y en douceur. Ils ont rien entendu. Une caisse d'armement par ici. On y va. Super, c'est pile ce que je voulais. Vue panoramique. Accessoire acquis. Par contre, on relève pas automatiquement, s'il te plaît, merci. Ok. Donc je vais là, imaginons. F pour modifier. Pièce. Lunettes. Pourquoi pas? Ce qui fait que maintenant. Oh, d'accord. Allons-y, en douceur. Là, cible abattue. C'est dans leur coin, on dirait. Merde, 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 merde. On s'est fait repérer le feu. Qu'est-ce qui m'a repéré? Lui? Hop. La cible est neutralisée. Je peux pas rentrer dans la... Bah, la porte? Non? Bon. Ah, merde. Oui, j'entends me causer, t'inquiète pas, y'a pas de soucis, mais... Ah, t'es là, d'accord. Ok, bonjour. Bon, alors apparemment ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'il te voit... Enfin, faut que je le temps que je comprenne l'interface, tout ça... Escorté, bonjour. Ou plutôt ce qu'il en reste. Venez, on va vous sortir de là. Allez, venez. Allez, venez, 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 venez. Venez, 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 venez. Alors. Conduire. Attendez. Allez, monte. Il faut qu'on resserre. C'est moi qui pilote.
Je vous attends les mecs, y a pas de souci. Je regarde le didacticiel. Shift pour monter, accélérer, contrôler pour descendre. D'accord, ok. Lâchez Shift en utilisant QED, d'accord. Ok, on y va. Où est-ce que vous m'emmenez? On vous ramène chez vos amis. Alors, Pat Katari a passé un marché avec Los Malditos Gringos. Quel petit con. Voyez ça avec lui, seigneur. Oui, je vois pas trop la différence. Q ou D pour LL plus lâcher Shift. D'accord, ok. Je viens de comprendre. Ok. Bon, bah nous on passe par-dessus, hein. Non ? Il est pas... D'accord. Ouais, donc va vraiment falloir que je passe à une manette. Parce que là, ça passe pas du tout avec la, le clavier. Vous voyez, dès que j'appuie un petit peu trop, il veut pas. Hop, donc va vraiment falloir que c'est un jeu qui se fait à la manette, tout simplement, chers amis. Alors je sais pas si... Le problème, c'est que tout à l'heure, quand j'ai débranché la manette, parce que je voulais que ce soit au clavier pour le viseur... Il a pas trop voulu, il a même planté le jeu complètement, hein, donc c'est pour ça que je veux pas le faire tout de suite. Oh là ! Oh, c'est beau. Putain, c'est beau, chers amis, regardez-moi ce jeu. Regardez-moi à quel... Où est-ce qu'on en est, chers amis, en termes de développement de jeu, quoi. Ça sonne la fin de la vidéo, chers amis. Hop, ok. Ça y est. Ok. Excusez-moi, ça sonne la fin de la vidéo. Alors, contrôle. Crac. Hop, ok, parfait. On a plutôt bien géré. Commanda. Hop, venez là. Eh, j'ai trouvé une caisse d'armement. Crac, extraire et cinématique. Parfait. Hop. Tu es blessé. J'ai eu droit à l'hospitalité du cartel. Ouais, je vois, oui. Ces Aoukas, ces démons qui m'ont interrogé. Disons que c'est pas des gentils. Le roucoulement suffisait à me faire vomir. D'accord. Bon. Mais leur méthode n'était pas... Comment dire? Il s'appelait Yuri Hippolyto. Oui, Yuri Hippolyto. D'accord. C'est ces enfoirés qui ont torturé et qui vite. Soigner. Cela, je les veux. D'accord. Tout ce qu'on a vu, c'est des sicarios en sauvant un marron. Mais je n'ai pas vu Yuri Hippolyto depuis au moins 3 jours, peut-être 4. Je sais pas ce qu'il prépare. Il faut qu'on se rencarde. D'accord. On fouillera chaque village, chaque camp jusqu'à trouver une piste. Ok. Quelqu'un doit savoir quelque chose. Oui, sûrement. La province, pirater leur système, interroger les lieutenants ennemis, parler aux civils. Faites ce qu'il faut. Comptez sur moi, madame. C'est le coin à la loupe. Ce jeu est vraiment cool. Ce jeu est vraiment très très cool. Ok. Bon, bah écoutez, chers amis, du coup, nous on va cesser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures dans la bêta de Ghost Recon. Salut les gens.